On continue l'examen des résultats partie par partie avec la défaite du PS, défaite qualifiée d'honorable hier soir par son premier secrétaire François Hollande. 154 sièges, y compris les radicaux et les divers gauches, soit une centaine de pertes par rapport à 97. Symbole de ce recul, le revers de Martine Aubry à Lille, battu par un nouveau venu de 32 ans. Anne Mourgue, Dominique Mas. Furtivement, Martine Aubry essuie une larme avant de quitter sa permanence. Les résultats viennent de tomber, les militants restent incrédules, elle a perdu, elle ne sera pas députée. Je suis sidérée, j'arrive pas à savoir pourquoi. Comment vous vous sentez ? Mal, mal, mal. 49% des voix, la défaite est cinglante. Un geste de réconfort pour les militants, mais Martine Aubry semble ailleurs. Sa circonscription, la gauche l'a détenait depuis près de 40 ans. Voilà, je prends donc ma part de responsabilité de cet échec. Et je voudrais simplement dire à tous ceux qui m'ont fait confiance, à tous ceux que j'ai rencontrés et qui n'ont pas voté, que je reste là avec les élus de gauche et que nous allons continuer à travailler auprès d'eux, peut-être plus qu'auparavant, pour que leur vie s'améliore. Quant aux adversaires de Martine Aubry, ils célèbrent à leur façon la défaite de l'ancien ministre. Leur poulain vient de gagner, tout jeune, 32 ans à peine, inconnu en politique. Il y a quelques semaines encore, personne n'aurait misé sur sa victoire. Oh ouais, il a bien travaillé. C'est un jeune, ça va y aller. C'est un battant, hein. Oh ouais. Hier, il n'était encore qu'un simple clerc de notaire. Ce matin, un peu groggy, Sébastien Huyck savoure sa toute nouvelle notoriété. Je réalise que j'ai été élu député, mais bon, on va voir ce que ça signifie dans les jours à venir. En tout cas, je ferai de mon mieux encore une fois pour remplir la mission qui m'a été confiée hier. Et dès ce soir, il devrait être la vedette du dîner offert par le Premier ministre à tous les députés de l'UMP.